Regardez attentivement cette langouste. Bah quoi, vous la reconnaissez pas? Normal, c'est sa larve. J'ai découvert cette bestiole étrange ici, dans l'océan Antarctique, lors d'une expédition scientifique à bord du Marion Dufresne. La langouste, c'est un crustacé décapode qui ressemble en gros à un homard mais sans pince. Après la reproduction, la femelle fait incuber entre 5 et 8 mois ses œufs sous son abdomen. Hop là, bien au chaud! Et il en sort de petites larves transparentes qui se laissent dériver dans les courants océaniques pendant plusieurs mois. Sauf que pour cette toute petite larve mignonne, il faut survivre pendant tout ce temps. Et l'avantage d'être transparente, c'est qu'elle passe inaperçue dans l'eau. Celle-ci, elle a entre 20 et 30 jours, et elle va passer par plusieurs stades avant de ressembler à la langouste qu'on connaît. La journée, elle dérive dans les profondeurs, mais au crépuscule, elles vont remonter vers la surface pour se nourrir. Et c'est aussi le moment où elles se font bouffer elles-mêmes. Pauvre choupi. Vous voulez en savoir plus sur l'océan austral et l'Antarctique? Ça tombe bien, j'ai fait une série entière sur le sujet.